Au départ de cette étape dite classique, aujourd'hui l'étape reine de la Ronde de l'Isard avec le maillot de leader au classement général parrainé par le Crédit Mutuel. Merci de faire une ovation à Johannes Storm. Mi-tête. Dans cette formation, vous avez devant vous Samuel Watson. 3 top 5 sur les étapes reines du Tour de l'Avenir. Rien que ça, dans les 3e place au Grand Colombier. 4e, Madison à Tokyo. Il sera professionnel avec Christopher Froome la saison prochaine. Et au plaisir de vous retrouver dans 2-3 ans sur France 1. Yo! Trinity Racing va venir s'imposer dans l'étape du jour. Vainqueur anglaise aujourd'hui, vainqueur du coureur de la formation de Trinity, Thomas Glang, qui va faire coup double avec le maillot jaune. Et bien, on va prendre cette information bien sûr. Vous pouvez l'applaudir très fort. Max, ce sont les futurs cracks du Tour de France, ce sont les héros qui nous fournissent depuis quelques années maintenant. Un grand merci à eux. Thomas Glang. Thomas, thank you, ça m'a qu'il fallait compter sur lui dans les prochaines années. Merci encore une fois d'applaudir le coureur qui nous vient de Londres, Thomas Glang.